Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3. On se retrouve avec Katox. Salut Katox! Salut! D'ailleurs, faudra que je te laisse faire l'intro à l'occasion. J'espère que ça va bien, on va continuer notre aventure. On est bien occupé de notre côté là. Et toi, ouais, ça... tu disais que tu avais posé ton premier port pirate, tu me disais. Oui, à un endroit où bah, je suis chez Alberic, parce que finalement il est relativement faible. Donc ça me permet de pouvoir poser un port pirate sans devoir m'affronter une énorme troupe, parce que dans le nord, pour l'instant, de ce que je vois, c'est le culte du plaisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 settlements. Et ils envoient, et en plus ils font de la corruption de la neige de partout. Enfin bon. Et là, je vais descendre sur Arcon. Et quand j'aurai un petit peu plus de thunes, je pourrai avoir une deuxième flat. Finally. Bah nous on va attendre je pense 3 tours avant que notre ami Manfred revienne. Et on va profiter pendant ce temps là que les pools d'unités à ressusciter se refassent. Et on essaiera de recruter instantanément une armée à peu près potable pour essayer de mettre un coup d'arrêt aux nains là, parce que s'ils décident de commencer à nous marcher dessus, ça va être compliqué de les arrêter quoi. Très très clairement. Surtout que du coup ils ont complètement stoppé la progression de la corruption vampirique. C'est quoi ici? Il y a une grosse bataille, je ne sais pas contre qui. Peut-être contre le Lyonnais et Jeanne. Alors, Tlaka, on s'en fout. Héros recruté, Banshee. Ah bah ben oui! Mais oui! Mais totalement! Pourquoi pas? Ce sera Chobiti. Là, putride. Et on va immédiatement l'envoyer travailler contre les nains. Parce qu'elle, si elle peut assassiner et du coup nous faire gagner quelques baisers de sang, on va clairement pas cracher dessus. Alors là, les unités qui s'affaiblissent, c'est des unités qu'on peut recruter facilement, donc on s'en fout. On va tracer la route jusqu'à Agrul, et se poser à Agrul. Du coup là, 4 tours avant d'avoir le bâtiment, donc on n'est pas pressé. On pourrait le faire là, sinon au pire. Ça va être des tours rapides de mon côté, hein, très clairement. Je vais quand même regarder un peu la diplomatie, s'il n'y a pas des gens qui seraient motivés. On pourrait éventuellement réussir à commercer avec le clan Morse. Contre 3600, vu qu'on a rien d'autre à faire de notre thune, pour l'instant j'y vais. Ça va clairement rentabiliser nos bâtiments de ressources, donc ouais, voilà, 680. Pas de thunes. D'accord commercial, ouais, par tour. Allez, bonjour, enchanté. On a un accord, il a fait ce que je fais par tour. Bah, j'ai payé 3600 balles pour qu'ils acceptent, mais... Je savais que vu qu'actuellement j'en avais qu'un accord avec Arcane et que c'était pas assez pour vendre toutes les ressources commerciales que je fabrique, je savais que ça allait être rentable quoi. Toi je pense que t'as juste pas de ressources commerciales, t'as pas de cité quoi. Ouais non. Non j'ai que dalle. Bah ouais. Je passe sur une stratégie là parce que. Il faut faire quelque chose quoi. Bah après, quand Liège ou Noctilus, il reste dans le cimetière du Galion et il se fout du reste du monde, quoi. Mais c'est sûr que c'est pas très expansif comme stratégie.
Et là, j'ai pas du tout fait une stratégie basée sur les murs en plus par rapport à d'habitude, donc mes villes elles sont quand même globalement à poil, entre guillemets. Donc si le nain il décide de faire un peu chier, il peut piquer. Ouais, bon, définitivement, j'ai aucun accord commercial, moi. Je suis dégoûté. Bah moi j'en avais aucun avant de tomber sur un Skaven. Hein. Mais tu commerçais pas avec Arcane? Il me semblait avoir vu qu'il commerçait avec toi. Non, il veut rien. Ah, il me semblait Veut à avoir vu peine qu'il te... avait un accord, mais j'ai du mal à voir. Bon après y a pas de miracle, hein. Il faut des ressources à échanger et puis il faut de la force aussi quoi. Sinon, ils veulent pas accepter. Jeanne, qu'est-ce que tu veux, Jeanne? Jeanne. Tu me menaces toi aussi? Non, mais c'est bon là. Elle a vu que ça fonctionnait, elle s'est dit, bah tiens, pourquoi pas moi? En plus, on est même pas collé quoi. Ouais, j'accepte, c'est bon, 1000 balles. Y'a Chobiti qui est morte de rire en bas, quoi. Qui veut le Shabbat de la chambre sanglante. Je me disais là, on est bloqué sur la faction 100. Elle est compliquée le start de Manfred, hein. Je comprends qu'il l'avait un peu pété avec la. C'est bon ça. Je comprends qu'il l'avait un petit peu pété avec sa régène parce que c'est quand même galère sa situation de départ. Hein. Ah, il y a une deuxième armée naine qui arrive. Parfait. Il est pas dans la merde. Ça veut dire qu'il va falloir que. Pourquoi je peux pas les fusionner? Ah, parce qu'il y avait un truc qui se déplaçait. Ok. Hop. Hop, voilà, les zombies. On les fusionne. On va en recruter un autre du coup. Pendant 8 tours, on a plus de niveaux aux unités qu'on recrute, mais ça marche pas pour ça, visiblement. C'est vraiment du pur recrutement. Et bon, on les posait dans notre petite ville en défense avec une garnison pas ouf, mais une garnison quand même. Ici, on va pouvoir prendre la mine d'or. Même si en vrai, j'aimerais vachement prendre le. Ah, on va pouvoir aller chercher des morgulés. Ouais, on va prendre ça. Clairement, on prend ça. Qatar, c'est où? C'est là. On va aller chercher plus de nécromanciens. On va économiser un peu les sous quand même. Il revient dans combien de tours, Manfred? Encore 3, hein. Un tour, ok, parfait. Un tour, ça c'est bon ça. Dans combien de temps on aura terminé ce bâtiment? 3. Allez, avec un peu de bol de Banshee au prochain tour, on va pouvoir commencer à assassiner des gens. Là, ils prennent de l'attrition. S'ils veulent me tomber dessus, ils vont quand même souffrir un peu, sauf s'il y a leur pote qui arrive, mais je le vois pas. On y croit, on va tenir! Pardon. Les Skaven, ils font tampon maintenant avec Scarbrand, donc à la rigueur, Scarbrand, c'est plus un problème. C'est quoi cette faction? C'est des hommes bêtes? Malagoth, le mauvais présage? Ouais. Il est un peu dans le mal, dis donc. Il a rien en fait. Ok, maintenant le nain, il va plutôt taper sur le Skaven. Alors s'il fait ça, clairement, je m'allie avec Plaisir. Quick.
Rien à foutre qu'il soit venu prendre des trucs là qui traînent. On va aller faire ami-ami. Ah, quelqu'un qui te parle. Pas de l'agression avec une faction qui est super loin. Oh, allez, pourquoi pas. Fin prêt, Manfred. Et en plus, on a terminé le sang, c'est du pouvoir. Ça nous aiderait un peu. Alors, Manfred. C'est parti, Manfred. Tu viens là. Qu'est-ce qu'on peut te recruter de beau? Deux specs d'équerne. Trois comme ça, c'est parfait. Un comme ça, c'est pas ouf, mais c'est mieux que rien. Deux comme ça, nickel. Donc on va te prendre deux lanciers. On a déjà trois comme ça pour tenir la ligne. Prendre ça et ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut recruter? D'ailleurs, pour ces unités-là, j'aurais dû prendre des ça peut-être. Du coup là ils vont venir. Ah ouais, mais je peux en recruter que deux, donc ouais, c'est pas grave. Ils vont venir level 2 avec un petit bonus. En termes de régiment de renom, il faut 6 tours avant qu'ils se reforment. Donc là, on l'envoie s'occuper des nains, très clairement. Ne serait-ce que pour le surveiller, l'autre est toujours là, c'est parfait. Chobiti! Comment ça tu peux bloquer l'armée? Je crois que tu pouvais assassiner des gens. Ah, c'est des héros que tu peux assassiner, merde. Ah, je suis déçu. Je suis déçu. Bah du coup, qui c'est qui peut assassiner des gens? Blesser des héros. Assassiner des héros. Blesser des héros. Y'a personne qui peut. C'est nul ça. Toi tu peux pas. Tu peux pas. On peut pas blesser le seigneur. Ah ouais. Ah, c'est comme ça. On est d'accord que je gagne des trucs quand j'assassine des personnages. Ouais, donc du coup, faut que j'assassine des héros. D'accord. Ok. Très bien. Ouais, les chevaliers de Lyonnais, ils sont pas forts, mais par rapport à nous, ils sont violents quand même, hein. Claca, ça va changer tout ça. Y aurait peut-être moyen, terme, il y aurait peut-être moyen. Toi tu m'aimes moins parce que j'ai offert des cadeaux au chevet de Lyonnaise. Bah écoute mec. Ah oui non, c'est avec l'éveillé qui commerce Arcane, c'est pas avec toi, c'est avec Luthor, Lucor. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, bah on n'est pas sur une armée de ouf, mais on devrait quand même pouvoir faire des dégâts à du nain s'il vient nous titiller. Deux tours avant d'avoir des Varghast. C'est long, hein. C'est long, c'est long, c'est très très long, surtout que ces villes du coup sont totalement dans le mal.
toi tu veux vraiment rien, même pas un petit, une petite alliance, un truc de fête contre les nains, non. Que dalle, ok. Toi, rien de plus, ok. Ok, 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 ok. D'accord, très bien, très bien. On se démerde. Pas de soucis. Toi, tu bouges pas. Et on passe le tour. Ouais, faudrait quand même que je le sorte de sa mode, son mode marche, par contre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est passé en mode souterrain, il va taper sur Squig, on dirait. Et là, il recrute une nouvelle armée. Oh la vache, il est vénère. Hein. Ça va être chaud. Il est un petit peu énervé, le nain. Allez, Aztec, il est revenu. Mission envoyée. Vaincre Torek et on gagne maître de bataille commandant plus 5 pendant 4 tours si on fait ça. Bah. Ce serait bien d'arrêter avec les trucs à la con tout pourri par contre. Hein. Alors, Aztekil. Tu vas rejoindre Manfred. Ah, on a récupéré ça, ça c'est pas mal. Défenseur l'Empire. Ok. C'est une bataille de quête. Ah, c'est une bataille de quête, ok. Ah bah je vais peut-être aller faire la mienne après. Elle donne sérieusement pas envie. Je vais t'aider, t'inquiète. Donc là, 4 joueurs d'épée. Chevalier de l'Empire, escorteur à lance-grenade et 2 batteries tonnerre de feu. Tu veux qu'on reparle de l'armée de Torek ou pas? Non, ça va. Des brise-fer. On va tenter ça. Les longues barbes. De toute façon, une fois que tu l'as lancé, tu peux plus reculer, je crois, si. Tu peux toujours refuser. Tu peux refuser? Là, parce que j'étais sur place, j'ai pas été téléporté. Ah oui. Je crois que quand tu fais en téléporté, je sais même pas s'il y a un. Je sais pas si tu. Si tu peux ou pas. C'est vrai que les batteries tonnerre de feu sur les morts-vivants, elles font mal, hein. Précision ouais. Chier, mais ils te balancent plein de trucs enflammés dans tes zombies là. En plus, oh la map, oh, elle est horrible. Ils sont où tes volants là, hein? J'ai pas de volant. J'ai aucun volant. Je te laisse lire le petit texte si tu veux. Alors, la carte qui a fini en possession du comte Noctilus n'était pas un piège. Elle a mené à une île inconnue dans le grand océan sur laquelle le coffre au trésor contenant le cadran du capitaine, j'ai pas vu. Du capitaine Ru. Ah oui, t'as pas le bouton continuer, dommage. Bon bah, du coup, on va avoir au moins le petit speech. Enfin, j'espère que je l'aurai aussi. Ouais, je l'ai aussi. The peons of the Empire dare lay their hands on the chest I seek. These cattle are ignorant of what they now possess. But they will not live long enough to find out. Roth's Moondial cannot elude me any longer. It is only a matter of time before another rival uses it to gain access to the Galleon's graveyard. Only I, Count Noctilus, am worthy of the Maelstrom's boundless power. Only I can rule the great ocean and the waters beyond. Bon après avec la reine Bess, tu vas pouvoir les défoncer ces trucs, ça va quoi. Pour l'instant ils sont hors. Pour l'instant ils sont hors portée, ça c'est d'office. Mais... Il a fait deux parties du coup, des mecs pour défendre les batteries tonnerre de feu, je vois pas trop pourquoi. Et puis un deuxième corps qui a l'air d'être en pleine course. Ces batteries tonnerre de feu. Je vais te donner le. Qu'est-ce que tu veux? Je te donne le corps piétaille. Tu l'organises comme tu veux. Bah, je pense que je vais faire le tour tout à gauche. Non, ça te va? Moi, je ferais. Ah, oui, des tireurs aussi. Ok. Donc,
Donc on a quoi? Zombie, arquebuse, escopette, arquebuse, arquebuse. Ok. Hop. Je te propose, c'est que limite toi tu formes une ligne comme ça et tu avances. Yep. Moi je passe par par le contour. Je te fais quel héros? Bon, tu peux le garder, hein. Bah non, celui-là il est pratique pour pour le soutien au tir. Hein. Ouais. Je vais avancer la baisse juste histoire de pouvoir massacrer ce qu'il y a là-bas. De toute façon, il a un petit peu de cavalerie, mais ça devrait aller quoi. Ouais, bah de toute façon, il y a les chiens qui sont là pour encaisser au cas où. Et visiblement, il aura pas de renfort par contre, intéressant. Attends, t'es capable de lui lancer un truc dessus à cette distance? Ouais, sur toute la map à peu près. Oh la vache. Ah oui, c'est les capacités de la flotte, c'est ça? C'est ça. Ah oui, mon héros il a déjà sur un petit Bernard l'ermite zombie là. Ouais. Parfait. Bon, en vrai, t'as plus d'artillerie que lui, tu pourras le dépouiller quoi. Attention, ça va tomber. Bim! Cette brutalité. Ça c'est bien ça. Ça on aime ça. Ah la vache. Les mecs déjà en déroute, hein, ils tirent un missile et c'est fini quoi. Alors, attention leur riposte. Ah, ça pourrait faire mal à long terme hein, quand même. On va voir le deuxième coup de la Big Bass. Ils ont surtout une sacrée cadence de tir leur truc. Et puis, il a une sacrée portée le héros, hein. C'est presque un artilleur. Ah, au deuxième tir ils sont pas en déroute. Ah si, voilà, ça tombait là. Ah, oh, c'est le troisième. Hein. Ah, c'est le troisième. Bon bah, voilà. Voilà, hop. Il reste 3 survivants. Par contre, visiblement, il y a un bug avec les unités qu'il a foutu sur la pointe. C'est sûr que les... Okay. Avec les petites merdes là. Overboard! Captain!
balancer un truc par là, qu'est-ce que tu fais? Ok, on est sur le flanc, c'est parfait. Bon, le héros il prend un peu cher quand même, hein. Il y a les escorteurs à l'arrière, j'avais pas vu. Je suis en train d'essayer de les accrocher, c'est chaud. Des gardes des profondeurs qui glandent et ça s'est écroulé au centre si tu veux. Les lance-grenades ils sont en déroulement. T'as pas besoin que je redonne des munitions à la reine Bess, hein, on est d'accord. Voilà. J'aurais terminé ces foutus. Ouais, j'étais en train d'envoyer des renforts sur les halbardiers, mais malheureusement, ils ont réussi à faire le taf. Bon, pour former la ligne, à mon avis, tu sais. Tu crois qu'il va y avoir du renfort? Ah, bah voilà. Bah, oui, non, là, c'est bon. Là. Ils étaient en train de craquer, même les mecs là, au loin, ils ne pouvaient rien faire. Et tu vois, pas de renfort pour toi. Ouais, bon, après l'armée, l'armée était plutôt claire. Ouais, était efficace, ouais. Bon, les tonnerres d'épée, de feu, quoi. Voilà quoi. Ouais, heureusement qu'on les a eu très vite, parce que t'as vu, rien que le prom, elle a fait un tir, 43. Ouais. Un ou deux tirs. Ah oui, bah de toute façon, je te dis, contre les morts vivants faibles, entre la pénétration et les attaques enflammées, ça défonce, hein. Ça, y a pas de doute. C'est bien joué. Ça te donne quoi tout ça? Une... Allez. Le cadran du capitaine Roth. Ouais, ça. Ce cadran lunaire particulier permet à son possesseur de réaliser des manœuvres apparemment impossibles durant la navigation. Déplacement de campagne plus 15, champ vision de campagne plus 15 et capacité spéciale invoque une unité de boucanier pirate zombie. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien. Alors, Manfred, on a dit qu'on doit recruter une unité de plus et je pense qu'on va partir là-dessus. Perce armure anti-infanterie. Ça me va plutôt bien. Et on va commencer à marcher. Tant pis pour les Varghest, on les recrutera en... En global une autre fois. Toi, on va te mettre en mode normal. Alors, on pourrait faire ça, mais on va faire la bataille de quête lors du prochain épisode, hein, pour tester un peu l'armée de Manfred. J'espère que cet épisode-là vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit message, dire ce que vous en avez pensé, puis on va se dire à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde! Salut!